Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vraiment une activité spéciale, un produit, un partenariat vraiment spécial avec Cécile de l'Auberge d'Anjou. Coucounet Café! Mon nom est Dani. Cécile et moi, on a décidé de faire un projet ensemble puis de mettre ça à son menu. On a appelé ça, c'est Cécile qui a trouvé le nom, j'ai trouvé ça super. Le Energy Smoothie Bowl. Fait que moi, je connaissais pas ça. Qu'est-ce que tu dis, Cécile, un smoothie bowl? Déjà, moi, j'avais pensé à un smoothie, mais Cécile a créé quelque chose. Puis moi, j'ai approuvé avec les ingrédients. On a eu bien du plaisir à préparer ça. Puis ça va être au menu à partir de quand? De samedi matin. Fait que samedi matin, Cécile va commencer. Vous pourrez avoir vos énergies smoothie bowl. Puis moi, à partir de 11h, je serai ici pour vous rencontrer, discuter avec vous autres, puis toutes sortes de choses. Là, je vais être ici. Fait que là, on va vous montrer comment que ça a été fabriqué. On y va, Cécile. Là, ça va faire du bruit. Là. Fait que la base qu'on a mis à l'intérieur, c'est du yogourt grec nature. Fait là, c'est très crémeux, savoureux, c'est rafraîchissant. C'est même, ça goûte l'été. Fait que c'est du yogourt grec nature, on a du chia, on a du lait d'amande. Hein? Oui. Ensuite de ça, ben c'est ça qu'il y a à l'intérieur, des fruits. Des fruits. Les fruits, ce qu'on a, c'est une banane, de la banane, de la mangue. La mangue. Et des ananas. Oui. Ensuite, une belle, belle grosse bolle. Attends, on va descendre ça de même. Tiens, check, qu'est-ce que Cécile est en train de faire. Puis Cécile a un côté artistique, là, très développé. Fait que c'est toujours très beau. Mais vous savez, c'est ce qu'on a déjà vu ici. Vous savez comment c'est toujours beau. Fait que là, pour la décoration, puis pour le dessus, en plus, on peut tout manger, même la déco. Cécile nous prépare un petit bout de banane. Et en fait, ça nous donne comme une banane presque complète dans le smoothie bar. Fait qu'il y en a à l'intérieur du smoothie, qui est le dessous, la base, puis ensuite, au niveau de la déco, parce qu'on sait qu'on mange avec les yeux, hein, c'est ça? Oui. Faut que ce soit... Oui, oui, oui. Faut déjà que ça soit beau à voir, et après, c'est bon à l'intérieur. Exact. Fait que ce qui était important pour moi, c'était le nombre de protéines. Hein, déjà cette semaine, on en a parlé beaucoup dans mes classes. Puis hier, j'avais une vidéo comment protéines on devait consommer par jour par rapport à notre poids. Fait que dans notre smoothie bar, Energy Smoothie Bar, conçu par Dani et Cécile, je ne peux même pas vous dire comment on a eu du plaisir à faire ça. Fait qu'on a 29 grammes de protéines. Donc le smoothie bar est un repas. Un vrai repas, oui. C'est vraiment... Fait que là, on a de la granola qui a du gruau à l'intérieur pour nous soutenir. Un petit sirop d'érable, bien sûr. Local. Hein? Local, toujours, toujours. Fait, checkez-moi la beauté de ce plat-là. Fait que je sais pas si ça rend hommage à ce que Cécile a fait, mais c'est vraiment beau. Puis en plus, là, à chaque fois qu'on pratiquait, je m'en allais avec le bois. Je vais repartir avec. Yeah! Fait que si ça vous tente de venir goûter ou nous rencontrer, samedi, c'est le lancement de notre smoothie bar. Oui. Fait que samedi, à quelle heure tu ouvres? Nous, à 8h30. Donc, il sera prêt à partir de 8h30. Puis à 11h, Dani sera avec nous pour faire la dégustation et jaser avec vous. Fait qu'un beau partenariat dans notre communauté, un gym puis l'auberge. Oui. Ça fait quelques années qu'on voulait faire ça et on y est arrivé. C'est ça. Il fallait attendre le bon temps. Je te remercie. Merci, Dani. Bye, tout le monde. Bye. On partage, on aime et on commande. Bye.